choses comme ça, c'est notre rôle d'assurer qu'elles s'entendent dans la vie, non? Écoute, elle fait ses distances avec elle. On ne pourra pas l'empêcher de faire ce qu'elle veut. C'est elle de faire ses erreurs. Tu ne pourras pas être derrière elle toute sa vie. C'est elle de faire ses choix. Une année de césure, David, c'est pas rien une année de césure. C'est un refus d'essayer. J'ai pas envie qu'elle gâche son potentiel. Moi, je refuse d'accepter ça. Elle a envie de faire une année de césure, elle l'a fait. Maintenant, elle peut voir si tu seras là pour la soutenir dans son projet ou si tu vas la laisser toute seule, quitte à ce qu'elle n'en revienne pas si elle change pas. Tu peux pas me dire ça à moi. Je veux juste pas que ce soit une décision prise sur un coup de tête qu'elle va regretter toute sa vie. Attends, je crois qu'elle descend là. Bonne journée, Alba. On y est ? Vous êtes installé ? Oui. Bon, allez, on reprend ce sur quoi on était la dernière fois. Bon, Alba, c'est cette feuille-là, tu me la rends la semaine prochaine, d'accord ? Coucou ! Y'a quelqu'un ?
En vrai, c'était vraiment mon rêve quand j'étais petite d'aller à la Sorbonne, pour de vrai. Quand t'étais petite? Oui. Mais maintenant, moi, j'aurais bien aimé aller aux Beaux-Arts, en vrai. Je t'aurais fait des petites peintures dans nos maisons. Ouais. Je vous les aurais donné gratuits. Avec des petits gratuits. Tableaux. Coucou, t'as du courrier sur la table. Ok. Et pense à appeler mamie. Allô mamie, c'est Alba. Oh, comment ça va ma chérie? Ça fait longtemps qu'on s'est pas appelé. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir au téléphone. Oui, ça va, désolé, en ce moment je suis un peu prise par les cours. Oui, ton papa m'a dit que tu voulais faire une année sabbatique. Oui, c'est ça. Moi je trouve ça super, tu sais. Le temps, ça passe vite, hein, faut en profiter. C'est un peu comme si tu prenais ton envol, tu vois ce que je veux dire. Après les études, c'est quand même super, c'est une chance de pouvoir apprendre. Et j'en ai parlé à François hier, et son petit-fils a fait la même chose. Et maintenant, il est ingénieur dans une petite entreprise. Comme quoi, bon, après, t'es pas obligé d'être ingénieur. Je dis ça comme ça, mais c'est un bon exemple, c'est un beau métier. Qui sait? Je vais commencer par demander un stage et puis on verra ce qui se passe. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien faire un stage ici et du coup j'ai fait un CV si vous pouvez le regarder. Oui, bien sûr. Je regarderai ça avec mon collègue et on vous dira par mail. D'accord, merci beaucoup. Avec bonne plaisir, journée. Au revoir, merci. Dans le genre.